Lui, c'est papa. Il est ébéniste. Et il a ses habitudes. Le bois, par exemple. Celui qu'il préfère, c'est le chêne. Et la radio, il l'allume juste quand il dessine. Dessiner des chaises, c'est son métier. Qu'est-ce que tu fais? C'est un nouveau prototype, mais... Je suis pas très content. C'est joli. Ouais. Un jour, maman est venue vers lui, a vu un de ses projets et lui a dit quelque chose à l'oreille. Tu dois me faire une chaise, bébé. Je pense que c'était quelque chose à propos de moi et de me fabriquer une petite chaise. Et voilà. Je sais qu'après, ils l'ont dessinée. Ensuite, ils en ont fait une miniature. Puis, ils l'ont faite pour de vrai. Et à la fin, ils ont pris une photo de la chaise finie. Ils l'ont mise sur Internet. Et la chaise a été un succès, semble-t-il. Puis, l'atelier s'est agrandi. Et les jours sont passés. Et papa et son équipe ont fabriqué plein d'autres chaises. Et un jour, papa et maman ont dû partir rapidement parce que j'étais en train d'arriver. C'est moi, ouais. Oh, trop mimi. Et ça, c'est maman qui écrit le livre qui explique tout ça. Et voici papa qui tient un balai pour une couverture de livre. J'ai pas tout compris. Ah mais oui! C'est le livre qu'ils ont présenté à la télé. Un vrai succès. Nouveau Renault Kangoo Van, avec l'ouverture latérale la plus large de sa catégorie, à partir de 159 euros par mois.